Et bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une petite vidéo sur Dofus pour la quête numéro 20 déjà. Donc pour le succès, le Dofus Émeraude, donc voilà, il nous en reste plus que 4 à faire. Donc là aujourd'hui ça va être la quête naissance d'une vocation, donc la quête qui se lançait en parlant au Capitaine Starkey, donc en rendant la quête... le machin de Nabur, l'amour perdu de Nabur, voilà. Donc alors la quête se lance. Il nous dit localiser le responsable des profanations. Il faut aller en moins 33, moins 55. Donc c'est... C'est au-dessus. Normalement, ça devrait être là au-dessus. À moins que ce soit dans le bâtiment qu'il fallait monter, je ne sais pas. Ouais, c'était dans le bâtiment. Je viens de courir dans les escaliers comme un malade mental. Je suis essoufflé. Pour ça que vous m'entendez souffler comme ça. Je viens de courir comme un barbare. Alors, est-ce que c'est là-dedans? Alors, je pense que c'est là au-dessus. C'est pas du tout là. Alors, on va faire comme l'autre fois. Naissance d'une vocation. On va mettre Dofus. Attendez, hein, je vais vous trouver ça. Là, 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 là. Non, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc il faut sortir de la milice apparemment. Bah, ce que je vois le type à chercher autant que moi, c'est bien. Attendez, on va voir ce qu'il fait. Ah ouais, mais le con, je sais, il fallait descendre en fait. Voilà, là je suis à la bonne. Alors, parler à profana. Enfin, je pense, attendre d'avoir naissance. Parler à profana. Bouger d'un pouce. Ah, il nous attaque avec le petit ombre. Ça, c'est cool. Ça va pas être trop dur, je pense. Oh, 1500 PV. On va faire nos boosts habituels, hein. Allez, viens ici, petite SRAM. Bon, on fera pas le tchal par contre. J'ai bien joué, c'était un beau move ça. Allez, on va voir s'il est intelligent. Ouais, joli. J'ai cru qu'il allait faire le tour comme d'habitude. Oh la vengeance à moins 800. Donc voilà, ça c'est fait. Donc la naissance. Retournez voir le capitaine Starkey. Starsky et Hutch. Starsky et Hutch. Alors. Voilà. Aller rendre visite.
À Odias. C'est à côté de l'hôtel de vente des animaux. Donc on va aller avec le Zappy. Hôtel de vente animaux. Voilà. Alors, oh, qui a lui demandé les affaires. Voilà. Voilà, on parle à la fille. Alors, qu'est-ce qu'elle nous demande? Alors, comment apprivoiser une monture? Comment accoupler deux montures? Oh là là. Alors, on doit lui ramener une des dés sauvages de chaque. Alors, apprendre à apprivoiser une monture. C'est une nouvelle approche. Dites qu'il faut courir plus vite qu'une dragonne sauvage pour essayer d'effrayer. Tenter une nouvelle approche. On va voir hein, comment le garçon il a fait. Un problème, je sais pas ce qu'il y a. Comment il fait? Ah, il a trouvé comment il fallait faire. Attendez, hein. On va écouter ce qu'il nous dit. Donc la boussole qui est ici, boussole de Métaria. Donc vous cliquez et tout, il a raté, vous allez devoir faire à capturer des DD. Et vous allez devoir truc, donc après vous parlez, vous activez tout, il y en aura trois, c'est faire naître, capturer, et tous les trucs comme ça, puis vous allez devoir reparler à Orgas. D'accord, donc je dois faire des choses. Bon, il nous faut. On va aller déjà acheter les DD sauvages. Qui coûtent super cher normalement, mais c'est pas grave. À moins que j'en ai. Ah, j'en ai peut-être capturé l'autre fois. On va regarder. On a. Des sacs-charges. On a que dalle? C'est bizarre, j'avais plein de DD avant. Bizarre. Bon, ben, on va regarder. À moins que ce soit sur mon autre compte. Non, ce serait dommage. Certificat de monture. Amande sauvage, putain. C'est un peu cher. Oh, doré sauvage, ils sont pas sérieux. Mais c'est super facile de faire ça. D'accord. J'ai pas envie d'user 1,6 million pour ça. Hein, Bon, au pire, on va trouver. Deux rousses. Attendez, on va regarder. Avoir capturé une dragonnade avec son personnage. Avoir mis à bas une dragonnade. Oh putain, il va falloir. Bah, je saurais pas tout faire aujourd'hui, hein, les amis. Il va falloir que je la fasse en deux fois. Donc je vais trouver deux des rousses. Pas cher. On tape pour l'énergie. Est-ce qu'elle a tout? Non. Faut que je trouve deux DD que je puisse accoupler. Bon, celle-là, il lui manque l'amour. Sinon, elle est bien. Celle-là, il lui manque quoi? En fait, il m'en faut deux qui soient fécondes. Voilà.
C'est Ribalion, c'est un ami à moi qui a mis tout en vente. Encore. Maturité à fond, on s'en fout. Ben, je pense que je vais devoir tout faire moi-même. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va aller... Ah! Bon, elle est presque... Elle est presque fécondable. Ben, au pire, hein. On va en acheter deux. On va les monter. Donc celle-là, on va la prendre. Celle-là, elle est comment? Ah ouais, non, faut que je regarde alors. C'est une quoi? Recette associée. Mais non, pas recette associée. Constituer la fiche de la monture. Alors, c'est un mâle. Donc, faut que je trouve une femelle. Mâle. Mâle. Femelle, voilà. Elle est presque montée aussi. On va l'acheter. Alors, on va les mettre à l'enclos amour. Comme ça, on les fera se reproduire, elles. Et pendant ce temps-là, on va essayer d'aller capturer les dédés. Comme ça, on fera quelque chose de la vidéo. Parce que fort heureusement, j'ai le sort de capture. Pas ici. C'est au-dessus. Voilà. Mais c'est où? J'étais devant ou quoi? C'est pas là, c'est au-dessus alors. J'ai un SRAMFEU, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, MP-moi, je serai là pour t'aider. C'est gentil, écoute. On va le mettre en ami. Mais putain, c'est où? Ah mais oui, je suis con, c'était en bas. Bah oui, c'est ici avec les culs de Dragodin. J'ai pensé que c'était des buffers, en fait j'ai pas calé. On va élever les deux. Voilà, on va regarder à notre banque si on n'a pas des filets en trop. Divers banques, voilà. On s'en fout de ton chacha Angora. On a combien de minutes? On a 13 minutes. On va mettre filet. Oh si, on en a plein. On en a masse. Par contre, on va un petit peu se vider, hein, parce que... Tout ça, c'est pas que je m'en fous, mais c'est tout comme. Ah oui, il faut toujours que je vende ça, les corail magistral aussi. Ça, on s'en fout. Attendez, je regarde si j'ai besoin de rien. Oh non, peut-être. On va juste prendre les clés. Elles sont où les clés? Ici. Voilà, j'en ai masse, hein, quand même. ici. Oh, ici, on peut garder tout sauf ça. Elle qui est en train de mourir, la pauvre. On peut en déposer une. Ça, on garde, ça, on garde, ça, on garde, ça, on garde. Voilà, c'est bon, on peut y aller. On va aller. Capturer des... Ah ouais, non, merde. Quel con. Il faut mettre la nôtre à l'enclos. Parce que sinon, on ne pourra pas en capturer une. Donc si vous n'avez jamais fait ça, je vais vous apprendre comment on fait. Donc on doit monter déjà cette barre-là à... 7000, je crois. Ça monte. Oh, ils sont déjà fatigués. Donc on va la stocker. Voilà.
Donc on n'a pas de DD, on doit avoir l'emplacement vide, on va aller montagne des Koalak. C'est ici. Donc dans le territoire des Dragodindes. Et on va en chercher. On va essayer d'en capturer surtout. Genre là, il y a un petit groupe. Échanger la position. Voilà. On va mettre le filet, c'est mieux. Voilà. Est-ce que j'ai les deux sorts ici? Il est pas là, il est pas là. C'est pas grave, on va le prendre. Capture de monture. Bah, il est où? Oh non, t'es sérieux? Je l'ai pas sur ce perso-ci? Pourtant, je l'avais. Attendez. Sorts spéciaux, non. Sorts communs, non. Sorts vocation. Oh, c'est pas vrai, je l'ai pas, t'es sérieux? Oh, je suis un peu deg là. J'étais persuadé que je l'avais, en fait, c'est sur mon sacri. Bah, tant pis, on va devoir aller se taper un donjon colosse. À moins qu'il soit en vente à Bonta, ça soit, c'est possible. Alors, hôtel de Vendée, document. Parchemin sortilège. Apprivoisement des montures, yes. Tant pis, il est à 600 000, mais je l'achète. Voilà, ça c'est fait. Donc on peut retourner à notre truc. Montagne des Koalak. Bon, il est là. On va le mettre ici. Et on va aller capturer ces saloperies de Dragodinde. Parce que j'ai vraiment pas envie de faire le donjon Koulos. Je crois que c'est le donjon le plus casse-couille du monde. Donc on va prendre un petit groupe comme ici. On va les regrouper. On va se coller à eux. Comme ça, ils évitent de se casser. Oh putain, non, merde. C'est un double. Il m'a trouvé. Mais j'aurais peut-être dû me booster avant. On va faire le sort d'apprivoisement. Avec un peu de chance, on arrivera à en choper une. Ce qui m'étonnerait très fort, hein, mais bon. Il fait tellement de dégâts, ce pauvre. Ce petit multiman. Ça a trop de PM, hein, ce truc. Et voilà. Non, on n'a pas droppé. On a droppé un parchemin ivoire. C'est pas grave. On va prendre des groupes pas trop gros parce que sinon... On n'a pas, on va prendre plein de temps et on n'est pas jamais sûr de pouvoir l'attraper.
Attendez, le filet, ça va, il est toujours là. Donc on a 10% de chance de l'attraper. Et enfin non, 35% puisque... Puisque voilà, je vais vous expliquer. Je vais juste voir si je peux toucher, ouais. Voilà. Il tape de loin en plus, hein, le petit hombre. Alors, où est-ce qu'elle va aller, elle? Elle est très très bête. Bien sûr, je le termine pas. C'est ma chance internationale. On va faire ceci. On va faire cela. On va faire comme ceci. Non, on n'a toujours pas eu. En fait, vous le voyez, hein, quand vous allez le capturer, elle tape sur son torse ou je sais plus trop quoi. Et puis là, vous voyez que vous avez capturé quelque chose. C'est comme une capture d'âme, sauf que les captures d'âme, c'est sûr à 100% que vous allez les avoir. Mais pas les dragodintes, c'est pour ça que ça coûte cher en fait. Parce que faut juste farmer ici, et c'est pas bien compliqué comme endroit, mais c'est juste qu'il y a personne qui a envie de les farmer. Alors on va les attendre. Voilà, je prépare des bombes rouges. Et voilà. Allez, continue avec tes bombes. Oh, venez tout près. Reste-t-elle intelligente? Oh putain, non, c'est pas possible d'être aussi con. Hein. On va faire ça. On va se décaler. Voilà, normalement elle devrait être pas loin de mourir. Putain, elle a 69 PS, donc celle-là doit tomber. C'est pas grave, se mettre au cac, c'est bon. Oh putain, non. Elle a plus de résistance que les autres. Oh, bah, oh là là, par contre elle a moins d'intelligence, hein, ça. Voilà. Et voilà. Voilà, là elle l'a faite. Donc là on a une dragodinde amante sauvage. Donc là on doit sûrement aller à Bonta, montrer à la fille. Divers. Non, hôtel de vente des animaux. Alors, apprendre à apprivoiser. Voilà, donc là on l'a fait, donc on peut lui parler et lui dire. Enfin voilà, on lui a dit on a apprivoisé une DD. Après, on va devoir en accoupler une. Et puis, elle doit accoucher. C'est pour ça que j'ai pris des amandes, parce que c'est le plus rapide. Donc je pense que c'est 48 heures ou 36 heures, je sais plus. Donc après, je dois lui amener une amande sauvage.
Ah putain, on peut pas lui donner. Il faut avoir les trois? D'accord. Bon ben on va aller essayer d'en choper des autres, hein, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai encore à peu près 10 minutes avant de partir. Donc on va encore en tester quelques combats, essayer d'avoir une rousse déjà ou une dorée. On va la mettre ici. Voilà. C'est très bien. Alors, on retourne à la montagne des koalas, qu'on remet un filet. C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? Là! J'avais la souris dessus, je l'avais pas vue. Allez, on va aller à gauche. Alors, il faut chercher. Bon, la prochaine quête, par contre, elle sera vachement chiante. Ce que je vais faire, c'est une fois que. Ben, je reviendrai à chaque fois que je ferai une étape, j'essaierai de la filmer. Putain, si je l'ai du premier coup. Si je l'ai du premier coup, les enfants. Voilà, on va faire le truc. Allez, ne te casse pas. Non, j'ai pas eu le premier coup. Faut pas rêver, hein. Je veux bien que ça arrive d'avoir de la chance, mais là, il y a des limites. Mais normalement, les rousses et les amandes, c'est encore facile. Après, les dorées, il y en a un peu moins, mais il y en a quand même pas mal. Je comprends pas pourquoi ils vendent ça à 1 million d'aides. Allez, il faut qu'on en trouve une. Soit des rousses toutes seules, soit une dorée. Là, il y a deux rousses. Allez, on va les attaquer. On va faire échanger les poses. On va déjà les coller à son corps à corps. Hein. Comme ça, lui, il peut se faire plaisir et taper. Déjà faire ça. On va faire ceci aussi. J'aurais pu faire rebours par contre. Et paf. Non, je l'ai pas eu. Donc on va check les maps hein, grâce aux Z maintenant. Petit rayon X là, une rousse toute seule. On l'a presque one shot. Et voilà. Ouais, on l'a pas eu. C'est pas grave. On continue de check. Non, 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 non. Pas mal d'étoiles en plus. Amande, amande, rose. C'est vrai que j'ai pas encore vu de doré pour le moment. Ils ont peut-être changé le. La fréquence, là il y a une rousse. Il y a un moment où on n'en voyait jamais. Puis il y a eu tout un moment où on en voyait blindé. Et maintenant on devrait ne plus en voir normalement.
Et ben voilà, on l'a one shot. Et on n'a pas capturé, c'est génial. On va continuer, on va chercher. Mais franchement, oh merde, je voulais pas faire ça moi. Oh fuck. Tant pis, on essaye. Il y a des petits bugs en plus. Ok, what is the fucking fuck? Voilà, c'est bon, normalement ça devrait être revenu. Non, ça ne va toujours pas. Il y a vraiment un bug. J'ai le petit sablier en plus qui est là depuis tantôt. Le tuer qui en premier? Allez, grouillez-vous de jouer les DD. Si je recapture une DD que c'est une amende. Ah merde, quel con. Je pensais pas que j'allais taper autant. Mais oui, mais ça bug hein, aussi. Là, déçu la DD. C'est vraiment bizarre ce bug. Je comprends pas d'où ça sort. Ouais, non, il y a vraiment un bug en fait. Allez, presque fini. Allez, viens tout près, toi, que je te fasse la peau. Allez, plus que un tour et ça devrait être bon. Allez, si on la capture, c'est nickel parce qu'après, je vais devoir couper. Et on fera l'autre fois en une deuxième partie. C'est pas grave. Et voilà. Et bien sûr, on n'a pas capturé. Bah tant pis. Je suis juste... Ah! J'ai cru voir une dorée. Non, j'ai rêvé. J'ai vu des pattes dorées en fait. Toujours pas de dorée. Une rose toute seule. Bon, on fait ce combat là et puis je m'en vais. J'ai remis un truc, ouais ça va. J'ai cru que j'avais fait une erreur de débutant, c'est ne pas mettre le filet.
Impérissable. Voilà. Ça devrait passer, hein, le chun, mais chaud quand même. On va faire ça. Et voilà. Et bien sûr, on ne drop pas. Bon bah tant pis, on continuera. Et salut. Bon ben sur ce les amis, je vous dis au revoir. Donc c'était la première partie de la c'était la combienième, la 20e quête déjà. Donc voilà, je vais essayer soit j'avancerai tout seul de mon côté, soit je vous montrerai tout. Et donc je vous dis à très bientôt les amis. Merci d'avoir suivi la vidéo. Salut à tous.